J'ai commencé la photographie à travers la caméra obscura, le Steenopé, il y a une bonne dizaine d'années. C'est une pratique qui me semblait très étrange, magique, incroyable, qui nécessite beaucoup de ressources pour l'utiliser, des ressources techniques et des ressources artistiques plutôt singulières. L'année dernière, j'ai exposé à Cadaqués une série 2 avec 7 E-doigts transformés en caméra obscura, en appareil photo, et qui servent également d'objet photographique puisque la photographie est directement imprimée sur l'intérieur de la coque de l'œuf. J'ai également disposé dans l'église Santa Maria de Cadaqués 5 boîtes en carton habillées d'un papier doré pour être en cohérence avec l'église entièrement dorée. Ces 5 dispositifs photographiques sont restés pendant un an pour capturer une image imprévisible de l'église de Cadaqués. Il y a 2 jours, on est tous partis récupérer les boîtes, ouvrir les boîtes, découvrir les images à l'intérieur des boîtes, s'émerveiller, s'étonner, en attendant de les publier pour que chacun puisse aller les voir dans l'église. C'est un festival qui est en rupture avec les festivals que je connais, festival de photographie avec une ambiance très particulière, très sympathique, très agréable, très conviviale et qui donne naturellement l'envie de revenir. Donc j'espère que l'année prochaine, je pourrai venir pour une troisième fois et pour présenter autre chose en termes de photographie, en termes de recherche, toujours avec des caméras obscura ou avec autre chose, mais profiter du soleil, du beau temps, de la sympathie et rencontrer des photographes et des non-photographes toujours en quête de bonheur, d'émerveillement et de plaisir. Vive Cadaqués!